Ma Mission TV, le miroir du monde. Qui a démontré la capacité de mobilisation des forces de l'opposition. Selon qui c'est pas encore et besoin par les républicains, donc on met un sans problème. Mais on est en première marche, on souffre Goya, semaine prochaine, dictature ainsi là, gna gna. Le vrai premier est là. Nous disons non à Kadima. Ma Mission TV, le miroir du monde. Thank you.
fait le Ramadan. Yeah!
La police, il était tout seul. Oui, quand tu as un lobby, ce n'était pas que FRTC aya encadré marche. C'était la police. Et nous avons pris l'engagement. Il y a qu'aucun moto, il y a besoin des ordres. Donc, il y a la police. Aujourd'hui, la présence est FRDC. Et c'est la ligne. Le FRDC fait qu'il y en a est. Bon, on est passé par des fois. C'est quoi ça? Thank you.
Là-bas, tant mieux. C'est une marche de la République. C'est une marche du peuple. S'il vous plaît, complément. Le FCC maintenant dans la lutte. Mais le FCC s'est toujours battu pour le peuple congolais. Le FCC est à la base de l'instauration de la démocratie dans ce pays, de la pacification du pays, de la réunification du pays, du développement de la cohésion nationale. Tous ces acquis-là sont en train d'être dilapidés. Le pays n'a jamais été autant divisé. Nous voyons la recrudescence du tribalisme. Nous avons affaire à un gouvernement qui parle plus qu'il n'agit. Il n'y a pas de résultat. À un gouvernement autiste qui est coupé du peuple, qui se complaît dans ses propres discours. Nous voulons que tout cela cesse. Il n'y aura pas d'élection avec cette CENI instrumentalisé, qui a été instauré en contravention de toutes les lois de la République. Nous disons que nous devons recommencer. Nous devons mettre en place une CENI indépendante, une CENI qui rassure toutes les parties prenantes, et nous devons créer les conditions d'une élection juste, équitable, une élection démocratique. Parce que ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas pour organiser des élections, ce n'est pas pour redonner au peuple sa voix. C'est pour organiser la reconduction par la tricherie de M. Tshisekedi et de son pouvoir. Nous ne pouvons pas accepter cela. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec Tony Kadima, certains avaient accusé le FCC d'avoir fait la même chose, d'avoir essayé de faire la même chose avec Moussa Malonda. C'est quoi la différence entre les deux situations? Non, posez la question à M. Tshisekedi. Il s'était opposé à l'investiture de M. Kadima, qui était exactement dans les mêmes de M. Malonda, qui était exactement dans les mêmes conditions. Posez-lui la question de savoir comment aujourd'hui il intronise M. Kadima, qui se trouve dans des conditions même plus mauvaises que celles de Kadima. Parce que dans le cas de Malonda, il y avait eu quand même un vote. Alors que dans ce cas, il n'y a même pas eu de vote. Et tout le monde sait que dès le départ, c'était son candidat. Lui-même, ça n'était ouvert, y compris auprès des chefs religieux. Alors il ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il a voulu avoir une cour constitutionnelle à sa botte. Il se donne une CENI à sa botte. Tout cela pour contrôler les élections et déterminer demain qu'il continue et se choisir des députés, se donner une majorité factice comme celle qu'il vient de créer, une première dans l'histoire, en changeant de majorité en plein mandat. C'est le dialogue et le compromis. Le compromis, c'est le consensus que nous sommes dans une direction. Lorsque
Il y a absence de consensus, cela énerve la cohésion, la paix et donc la stabilité. C'est que nous, c'est aujourd'hui qui se passe. Donc, le consensus de sorte que nous ayons des élections crédibles, des élections qui permettent à tout le monde de gagner s'il a la confiance du peuple. Ce qui se fait par imposition, ça c'est la tyrannie, c'est pas la démocratie. Donc cette marche, c'est une marche patriotique, une marche démocratique pour exiger qu'il y ait absolument des consensus pour qu'on arrive à des bonnes, à des belles élections. Le peuple est là. Sous la pluie, nous allons continuer. Non à Kadima. Le vrai peuple est là. Nous disons non à Kadima. Nous disons non à Rame. Nous disons non à la violation de la Constitution. Non à la dictature. Nous disons non aux décisions irréfléchies. Gratuité Zawam. Tant que je trouve la gratuité, la décision irréfléchie, mon boyaki. Les hommes ont compris le monde. État de cette un fiasco. Fiasco total. Azoro Kate, mais le peuple va s'exprimer. Il va continuer à s'exprimer. Okay.
La prof m'a déclaré, la prof m'a dit, la prof m'a dit,
Est-ce que le gouvernement est bon? Oh, bon, ils sont morts à Dieu. Assoir aussi, Maïs. Maître. La vie, maître, Dieu. Yébisaye, Atika Mboka, s'il te plaît, s'il te plaît, Atika. Allez, on va aller, 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 on va aller
Ha ha ha!
Moula, on a mon temps pour lui venir à ça.
Olulaga Soulia Macron, Osa président Samberté, Olulaga Soulia Yamuninga no président, Makambwa Sony. Si vous êtes yo pour ton alipo folie en combien? Alors que il y a pas de soupe pour y thank you.
Oh, yeah, boy.
Thank you.
C'est là. Marche à l'élo est une marche moro citoyenne. Et là, qui c'est que ils ont des volontés à peuple et s'exprimer. Et tindi bakambi, il y a la société civile pour bien le peuple peut répondre massivement. On a voyagé au Tali, ça m'a conduit à Mboka, et Mboka, et Zotambo la Mabé. Bonne gouvernance et Zadé. Gouvernement Samaloukonde, gouvernement Mboka, et Sali Fiasco Makasi. Parce que dans le monde, tout le monde m'a dit que le col à Ram, tout le monde, il y a comme on m'a dit, Mbouenze. Dollar réseau matabana bazo tangate ba hôpitaux pe malonga ezate na yango lelo peuple a ena nous kolobela présent na ye présent wana que gouvernement est démissionné et pe kolobela futur na ye futur eza ko lengela ba élection malam na 2023 na yango ko senga seni oyo batie wana et sangisi opposition majorité na société civile te Ekuya, c'est ni à malamu eya et l'engela ba élection malamu pe pona 2023. Mais mingi pe toye pona rosenga ba konzi ya opposition ba kokwa ko sangisa makasi na bango. Ba candidat malheureux nyonso o élection ya 2018 ba sangisa makasi ba sangisa peuple. Peuple congolais a souka na ko se retrouver. Bandeko, to sepeli mingi, ndenge to sali marche na biso awa na Kinshasa. To bandi, bozokate, tokana, nyenye. Banakin mbote na bino mbote mbote lisusu mbote esengote esengo totondi bino botondi pona ndenge totamboli lelo soki okani kosala eloko mbula ebeti yebake nkolo abenisi eloko wana eza boete bongo tobetela nkolo maboko Totamboli lelo pona peuple. Totamboli pona koyalola mbela ya baninga na biso ya Église catholique pe Église protestante. Bamba te mboka oyo kolo apesa biso tosengeli kobatela yango, kotonga yango, kotombola yango po te bana na biso, bakoko na biso. Mais ma cocolo na biso va vivre ma langue. Et ça va être. Oui. Nayamba, tout tamboli pour la colobaïté. Tolingi ma ponami ya solo.
Signifie le consensus. Nous pensons que pour garantir des élections apaisées, des élections crédibles, transparentes, apaisées, il faut que la centrale électorale soit dirigée par une personne sur laquelle s'est réuni un consensus de toutes les forces politiques et sociales du pays. Lorsque ce consensus n'est pas trouvé, il faut le créer, il faut le trouver à tout prix. Voilà pourquoi, avec cette marche qui a démontré la capacité de mobilisation des forces de l'opposition, il faudrait que nos partenaires en face se résolvent à comprendre qu'il faut nécessairement un consensus, parce que s'il n'y a pas consensus, il y aura trouble de la paix, il y aura trouble de la cohésion, il y aura trouble de la stabilité. Et dans l'instabilité, on ne peut pas organiser les élections. Bonjour à la décision, on est des populistes. On a reçu les patrons, on a fait un été. On a fait un été. Mais les lots, la population a fait une raison. Ce qu'on a fait, on a fait un été parce qu'ils ont compris que l'UDPS a fait 38 ans école fonctionnaire sous le bois, ma décision populiste, RAM, décision populiste, gratuité enseignement, décision populiste. Bah, tu vas là. Bah, pour mettre les guerre aussi dans l'Est, bah, tu vas recouvrir sous soutien. Bah, j'ai une décision état de sel. Qu'est-ce qu'on marche qu'on continue. Article 64, PES Mission Ningisa. Mais puis la soirée, tel est un peu revendiqué, droit naïe. Bah, droit naïe, sur les lèvres, séquestré par M. Tshilombo. Les journalistes sont en danger, menacent les morts, certains sont arrêtés pour leurs opinions. Les jeunes ne les disent pas ici, mais ils sont en danger. Liberté d'expression, ils allaient en danger.
les politiques sont arrêtés. La justice est téléguidée. Talama procès, fantaisiste. Pendant le procès 100 jours, procès ma tête, ma procès mon annonce, fantaisiste. L'objectif est de conduire nos opposants politiques sur le plan économique et social. Les qui Kabila Tika Gang on a combien? Les pas Kabila Tika Gang on a combien? Ma décision de manger ma décision populiste. Ma conseil bien avion qui bien avion bien avion qui t'était. Bien avion comme 190 dollars. Ma comment foutre ça? Mais son bagage à main. Bagage à main, vous allez droit à la moquille mobile. Droit à 30 kilos, vous allez foutre la moquille. Les lots, vous allez foutre la moquille. Soit que je suis mort, on va foutre 5 kilos. 1 kilo 5 dollars. Au 500 on a un billet. Au-delà, 350 dollars. Rien n'a changé. Ce sont des décisions à flatterie. Pour être sans fondement. Et là, on va promettre Bissot. Et là, on dit qu'ils ont quitté. Ma promesse, nous, on va promettre qu'ils sont assez endettés. Ils sont incapables de retirer nous. Ils sont pourquoi ? La population a fait son choix. La population est avec nous. La population va continuer à marcher. Nous disons non à Kadima. Kadima et sa bande ont été nommés de manière cavalière par les citoyens Mosso. Nous disons non à cette CENI où ils allaient instrumentaliser. Nous disons non à la violation de la constitution en ce qui concerne la nomination du juge de la Cour constitutionnelle. Nous disons non à la désarticulation de l'institution. Dans la loi de l'Assemblée provinciale, dans l'exécutif provincial, ils ont désarticulé. Les pays par terre, sur le plan politique, sur le plan économique, trop c'est trop. Voilà pourquoi le peuple est en train de marcher. Nous disons ceci, la République qui est la nôtre s'appelle République démocratique du Congo. Ah,
En violation de la loi organique sur la CENI
et sans les représentants de l'opposition. Quelques jours plus tôt, la même Assemblée nationale avait choisi d'ignorer les cris du peuple congolais en appelant à la suppression du RAM, de même qu'elle continue à ignorer les pleurs des compatriotes du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, qui, à la quasi-unanimité, demandent la requalification d'un état de siège qui, a plus d'un an, n'a rien soulagé leur souffrance. La manifestation d'aujourd'hui montre clairement que la population a compris le message des églises, ici représenté par le CALCC et le MILAPRO. Que des élections libres constituent la base essentielle de légitimité des institutions, le plus préalable sans lequel les problèmes sociaux, sécuritaires, éducatifs et sanitaires ne peuvent trouver des solutions véritables et durables. Marcher pour une CENI indépendante et transparente, c'est donc marcher pour que plus jamais nous n'ayons de dirigeants nommés, corrompus et illégitimes à la tête de nos institutions politiques. Marcher pour une CENI dépolitisée, c'est refuser à jamais la fabrication des résultats au profit des camps politiques et l'institutionnalisation de la fraude et de la corruption plutôt que le bulletin de vote comme mode d'accès au pouvoir. Marcher pour une loi électorale forte, c'est refuser que le juge instrumentalisé puisse proclamer des résultats fabriqués de toutes pièces pour mettre en place des parlements sur fond de corruption au service des dirigeants eux-mêmes corrompus. Marcher pour des élections libres, c'est enfin choisir des dirigeants légitimes qui travaillent dans l'intérêt du peuple pour mettre fin à l'insécurité à l'Est, pour supprimer des taxes injustes comme le RAM, pour promouvoir un enseignement de qualité et surtout permettre aux fils et filles du Congo de vivre dans de meilleures conditions. Cela étant, la marche d'aujourd'hui est historique, mais elle ne constitue que la première pierre d'un grand chantier, celui de la construction des Congo conforme au destin de grandeur qu'en conçut pour lui le Créateur. Le peuple congolais est en est conscient. Et plus que jamais, il est résolu à ne pas abandonner les combats pour le recouvrement de sa souveraineté et de sa dignité. C'est pourquoi nous, les forces vives de la nation, réunies autour du CALCC et de MILAPRO, répondant à l'appel de nos pères spirituels et conformément à notre déclaration du 25 octobre dernier, demandons une fois encore à qui de droit de privilégier l'intérêt supérieur de la nation et d'annuler la mise en place irrégulière et illégale du bureau de la CENI. Faute de quoi, d'autres manifestations de grande envergure seront organisées et de manière plus permanente dans les prochains jours. Les élections constituent le socle principal sur lequel se construit un état de droit soucieux des besoins sociaux, économiques et politiques de ses citoyens. Il est donc essentiel que les élections de 2023 soient radicalement meilleures que les précédentes. Pour ce faire, il est urgent et impératif de construire un véritable consensus national autour des animateurs de la CENI et de la loi électorale. Il est impératif et urgent d'œuvrer ensemble pour une CENI dépolitisée, indépendante et transparente. Il est tout aussi important et urgent de mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays, de mettre fin à l'escroquerie d'État dénommé RAM et de résoudre les problèmes que pose la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Le peuple s'est levé, le peuple restera mobilisé et en action jusqu'à la résolution de toutes les revendications. Que Dieu bénisse la RDC et qu'il veille sur son peuple. Fait à Kinshasa le 13 novembre 2021 pour le MILAPRO. Jeff Pambi, Mabutiga,
l'unité nationale pour le CALCC. Jean Bosco Lalo Pacha, président. Na lingala cheto komi na suka ezali expression toko koma mukanda oyo babengi memorandum oyo toko tika na bakambi ya mboka soba yeba ya solo solo tina nini oyo biso peuple congolais lelo lokola mutu mboko basangani bona ko loba na baye bazokamba biso likambo moko nde na memorandum eye elobami boye pe etindami la président ya Assemblée nationale fona koloba na ye ete mboka ezali mabe mboka ezali mabe koleka pasi eleki buto mibu oyo nyonso tozali kokende tokanisaki ete na alternance oyo na pouvoir na likolo kimia ekokota fondeko ekoye ekomata mpe demokrasie ekokoba kasi tomoni ete na oyo sini ya liboso ezali ya kotia ekipe ya seni en place elakisi deja pokoso basali ekipe oyo esengeli te oyo etosi mibeko na biso nde na yango batata ya bakambi ya SSP ya sengo bapesaki nzela mpona koloba te lokola bayokeli bango te balanda mibeko etali bango peuple ye moko akomizwa en charge nde yango totelemi lelo mpo ya liboso ezali kosenga seni ezala mpenza ya solo indépendante mpe ezala depolitise mpona ke na 2023 tozwa ba élection oyo esengeli mpo ke président oyo akozala wana atanga mpe résultat oyo peuple akotia babulletin na ye na baune. Mais tomoni bango pe basasaki message ya kosangana na lamuka bandeko ya peperde ntango baye epai na biso azalaka na bango toza bandeko na bango te tolingi basangana na biso te bamema biso na distraction te na ntongo toli ete toye komema batoye komemana ale baye kosangana na SSC baye kopanza bato sikoyo posala bino ezaa nini posala bino biso tokende ntina destruction nde toyokanaki ne tokende ntina pale baye kosuka qui ce soit, dans la raison, de reporter pour la remonter. Et ça, les jours de reporter, pas pour le moment. On va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Bonjour. Bonjour. Oui. Ah voilà, ah ouais, ça t'es foot. Mais si tu sens ce fond dans la couna, la paix du peuple. Donc on est qui, mais c'est chassant, malon dans les carrés pour quand des gars ils dépassent, ça la gamme casse au combat de la paix du peuple. Pourtant quoi ils s'accordent, quand ils m'ont, il faut que la population congolaise ait pas qu'une couna aujourd'hui sur ce fond d'accord. La paix du peuple, donc ça va être ennemi quand ils m'attirent. Je vous remercie. Vraiment passé, hein, vraiment passé. Donc celui qui a la démocratie, encore dans ma tambour.
Ma mission TV, le miroir du monde.